Trop de monde.
placement des personnages a bien changé. Tout ce qui est graphisme et tout a bien changé. Oh, l'inventaire est là-haut. Ça, on va s'équiper. Ok, d'accord. Bon, là, c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure, les amis. Ah ouais, c'est... Ok. On va voir un petit peu les combats. Est-ce que les combats ont changé ou pas? Ok, moi, je vais mettre là et tout. Présent, bas, droite. Ok, donc ça a changé. Donc, moi, je suis grand. Donc, voilà. Ah ouais, d'accord. Les déplacements ont bien changé, effectivement. Ok. Victoire, ah ouais. Tout est plus beau. En gros, tout est plus beau, quoi. D'accord, ok. Allez, ouais, frérot, je connais la quête. L'histoire n'a pas tellement changé. Je pense pas. Hop. Oh, le petit stuff qui nous met bien d'entrée. Bah oui, je veux le prendre. Équipé. D'accord, et je peux pas le prendre. Interdit, je peux pas. D'accord, il faut les basculer à la main. Donc, mais... Attends, là, tu m'en prends un con là. Attends. Je ne peux pas équiper mes objets. Je ne peux pas les équiper. D'accord, je... Bon, d'accord. Écoute, on fera ça, hein, du coup. Hein, écoute, ça marche. Hein. Allez, zoom. On n'a pas besoin d'équipement. Nous, on va arriver niveau 200 tout nu. On s'en fout. Allez, c'est pas grave. Je veux arriver niveau 200, le jeu commence pas à me freiner. Ah, c'est bon, ok. Ok, c'est bon. Petit lag, on va dire. Je parlerai pas trop grave, peut-être. C'est la bêta, c'est normal. Un bouffe tout. On bouffe tout. On va le bouffe tout. Boutou visier. C'est parce que si j'appuie sur entrée, non. Ok, on teste un petit peu les raccourcis, tu vois. Ok, donc ça veut dire que. Hop. Ah, les graphismes. C'est pas dégueu. Ouais. Non. Est-ce que si je fais ça... Alors on commence avec tous les premiers sorts quasiment, ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu fais frérot? Fais pas le fou avec moi. T'as direct, ouais, on a gêné victoire. Win rate 100%. 100% de win rate. Tu t'es bien battu, mais je sais, je me suis bien battu frérot, je sais, je suis un pro gamer. Ok, le petit coffre. Le petit coffre qui fait plaisir, 25 XP. Nous prend un peu pour voir. Ok, le début des quêtes. Alors là, on est dans la phase un petit peu tuto du jeu. C'est un petit peu là où ils apprennent à pêcher, à te combattre, à tout ça, tu vois. Voilà. Genre là, moi je vais faire ça. Ensuite, ça. Ensuite, je lui demande de couper d'un arbre. Ensuite, de cueillir. Et ensuite, de pêcher. Alors en fait, pour ceux qui savent pas, surtout juste. Tu peux cueillir et en fait plus tu le fais et plus tu deviens meilleur dans ton métier et plus tu peux avoir des ressources rares, etc. En gros, tous les pêcheurs n'ont pas le même niveau, quoi. Tu peux... Je crois qu'il y a 200 niveaux en pêche. Et évidemment, tous les métiers t'aident à crafter des objets. Là, par exemple, avec tout ce que j'ai récupéré dans le tuto, je peux me crafter une bague, voilà. Et je gagne un peu d'expérience, puisque forcément, faut pas déconner, c'est énorme. Allez, donc là, je travaille un petit peu le tuto, je le connais, hein. Je l'ai fait maintes et maintes deux fois. Ok. Et ensuite, la vraie aventure va pouvoir commencer, en tout cas, c'est vraiment magnifique de pouvoir observer ça. Ok, petit combat, alors moi je suis un cran, c'est la race. Donc évidemment, je vais tous les défoncer, hein. Grâce à récolte 0, évidemment. Tac. Tac. Alors par contre, comment on fait pour voir la map différemment? Moi, quand je me bats, j'aime bien voir la carte en mode arène et pas en mode magnifique comme ça. Ça me terrifie un peu. J'espère qu'ils l'ont pas enlevé. Alors, je vous dis, il se peut qu'il y a des. Je vais le déplacer là-bas. Il se peut qu'il y ait des bugs. Voilà, parce que c'est la bêta. Mais on va dire que les bugs vont nous rendre plus forts. Voilà. Parce que nous, on est là pour tuer tout le monde. Et il nous faut évidemment les titres. Ok, dommage, ok, donc il y a tout qui augmente, non, c'est vraiment, c'est super. Ok, on n'a pas le temps, frérot. On doit arriver de niveau 200 rapidement, on n'a pas le temps. Non. On doit faire partie de l'élite le plus rapidement possible, donc, voilà. Alors, le savez-vous, Tofus est un jeu français, voilà. Bon, on peut se la péter. D'ailleurs, la Pixel War, ils étaient...
Ça, c'est ici. Hop, hop, hop. Non, allez, on y va, on appelle un nom. Je suis niveau combien là? Je suis niveau 2. Et là, on va passer niveau 3. Magnifique niveau 3, donc on gagne effectivement plus de stuff, etc. La quête, je prends toutes les quêtes. Je prends tout. On n'a pas le temps. Nous, on est là pour. Alors, ça, c'est un peu gros à droite quand même. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un peu immense. Masquer le module. Parfait. On a masqué le module, il nous fait bouger. Impeccable. Attends, mais ouais, mais si je masque le module, il revient à chaque fois. Voilà. Et si je change de carte. Ah, mais le module revient à chaque fois. Ça, c'est un peu relou. Parce que c'est chiant en fait. Est-ce que je peux pas le réduire, ce petit module? Si, on va le réduire. Voilà, impeccable. Oh, le monde! Là, je suis actuellement sur un serveur monocompte. C'est-à-dire que les gens ont un seul compte. Donc chaque personne que tu vois en jeu est quelqu'un IRL. Ça, c'est ouf. Y a vraiment beaucoup de monde. Les serveurs sont à craquer. Mais bon, c'est Dofus. On peut leur faire confiance niveau qualité. C'est vraiment impeccable. Voilà. Pas comme Amazon Prime où on attend le protocole depuis 2 ans, quoi. Voilà. Ok, donc là tout le monde recommence niveau 1 et tout le monde tryhard pour les fameux 3 titres à gagner. Il n'y a pas de mob sur la marque, sur la carte. What? Ils ont les mobs. C'est bizarre. Mais, ah si, ils sont là. Allez, on va s'en faire un petit pour s'échauffer. Alors, moi je veux déjà, dans un premier temps, enlever ce mode de vue. Ok, allez, je le dose. J'ai plus que 30 HP. Je le dose plus. Je le dose plus, là, plus rien va. Ah, il a disparu. Petit bug, je pense. Ok, il a réapparu. Ça arrive, voilà. Des fois, il dépop, des fois, il repop. Ça, c'est la magie de up, up. Est-ce que je peux avancer un coup? Là, il a disparu. Bon, c'est les petits bugs, les premiers bugs de la bêta. C'est normal, voilà. Se remettre là comme ça, on va le repousser, on va aller là, là il va se ravancer et ainsi de suite. C'est beaucoup trop fort pour farmer un early, on va le déglinguer. Tac, impeccable. Donc là je vais juste avancer de une case et on va tout simplement lui faire mal. Et j'ai gagné au niveau 4 instant. Et oui monsieur, et oui, ça c'est quoi ça? Accepter niveau 5, mais oui, mais directement en fait. Mais oui, on n'a pas le temps, nous. Allez, c'est parti. On va tryhard sec le jeu. Alors, marquez-moi en commentaire, est-ce que je dois commencer plutôt par les quêtes? Est-ce que je dois plutôt faire les mobs en premier? Dites-moi tout en commentaire, évidemment. Car c'est grâce à vous que je m'améliore. Donc, c'est parti. Là, on va. Voilà, là, j'ai peut-être été un peu trop gourmand, je pense. Ça, pour augmenter ma zone, et lui je le repousse un petit coup. Voilà, ok. Là, ils avancent les deux en même temps, donc je vais m'avancer que d'un seul. Je vais taper lui, continuer à taper lui et reculer de deux cette fois-ci. On tape les deux, on tape les deux. Magnifique ce qui se passe. Ils vont me mettre cher, ils m'ont tué. Aïe, coup dur. Joueur français qui s'est fait défoncer par des écureuils. Voilà, ça c'est ça arrive, c'est des choses qui arrivent, hein. Les écureuils c'est méchant. Voilà. Alors je pense que dans son premier temps on va je vais activer la carte. Je pense que dans son premier temps on va aller ici. Alors ici c'est le premier donjon du jeu, hein. Le vrai, le premier vrai donjon du jeu. On va le farmer. Ensuite on va aller ici farmer les bouffe-tout et ensuite farmer le donjon des bouffe-tout et ainsi de suite. Farmer de tous les donjons, tous les donjons, tous les donjons. Est-ce que c'est rentable d'aller faire les métiers? Parce que vous savez que dans Dofus, il existe plein, plein, plein de métiers en fait. Je vous montrerai ça pour ceux qui découvrent hein, évidemment le jeu. Déjà, j'ai envie d'élargir la. Ah, on peut pas élargir. Si, on peut élargir la map. Voilà, moi je veux bien voir la map comme ça. Comme ça, et voilà, impeccable. Bon, là,
J'aime voir la map. Voilà, comme ça. Non, peut-être un peu too much. Hein. Un peu too much, les gars. Ouais. C'est important. C'est comme LOL. Faut avoir une grosse carte. Bien voir ça. Alors, les métiers, c'est pas compliqué. C'est ici. Vous êtes un plus et vous êtes un métier. Regardez un petit peu tous les métiers qu'il y a. Alors, ceux-là, ils sont un petit peu avancés. Parce que dans le tuto, on a ramassé un peu de blé, tout ça. Donc, ramasser du blé, c'est paysan. Couper des cailloux. Bon, mais voilà, c'est mineur. Pêcheur, bûcheron, alchimiste, bref, il y en a pour tous les goûts. Alors un bon joueur va farmer tous les métiers, voilà. Mais si tu joues à plusieurs, ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est ce que moi je vais faire. Peut-être pas sur la bêta, mais quand le jeu va officiellement sortir. Par exemple, Altéane, elle va être, je sais pas, mineur, et moi je vais être paysan. Et moi je vais en gros farmer, parce que c'est long, très très long de farmer les métiers. Évidemment, ça se fait pas comme ça. C'est plutôt long de farmer les métiers. Mais moi, si je farme que le paysan, je vais débloquer des ressources niveau 200, il n'y a que niveau 200. Donc, c'est des ressources qui valent cher et des ressources rares. Pareil, si Altéane, elle fait mineur et elle débloque niveau 200, elle pourra obtenir des ressources uniques que moi, ça me prendrait trop de temps. Donc, à nous deux, on pourra aller encore plus vite. Donc, les petits MMORPG comme ça. Je dis petits parce qu'il y a des MMO qui sont beaucoup plus fat, mais Bofus reste un MMO. Très très complexe mais très simple à la fois. C'est un jeu qui peut se jouer à plusieurs, tu vas kiffer. Et c'est un jeu qui peut se jouer solo aussi. Tu peux heal tes bots, tu peux être en soutien, tu peux être en tank, tu peux être en DPS, en ADC, ce que tu veux. Il y a vraiment beaucoup de rôles, il y en a pour tous les goûts. Et comme je l'ai dit, c'est pas un Blood and Soul ou un Dora Kingdom ou autre. C'est un jeu qui est beaucoup aimé, peu importe le sexe et peu importe l'âge. C'est-à-dire que tu peux avoir des filles de 13 ans qui jouent comme des bikers de 40 ans qui jouent. Ils prendront pas la même classe. Par exemple, je vois mal un biker costaud prendre un Panawa. Mais après, pourquoi pas? Le mec qui juge les gens en fonction des classes, c'est... Non, je plaisante. Donc bref, donc tu peux voir que les métiers, il y en a une ribambelle. Et tant mieux, parce que c'est un petit peu ça qu'on veut. La bêta est payante. C'est un abonnement. C'est-à-dire que ça coûte, si ma mémoire est bonne, c'est 5 euros par mois. Voilà, donc 5 euros par mois. Sachant que l'argent du jeu, c'est les gammas. Donc l'argent du jeu, c'est dans l'inventaire. Bon, là, j'ai 3 gammas. Pas ouf. Mais en gros, les gammas, tu peux payer plus tard l'argent, l'abonnement avec des gammas. Donc les gammas, comment tu les gagnes? En faisant des quêtes. L'histoire principale, les missions et les métiers. Car il y a des hôtels de vente, par exemple. Ah, il n'y a pas de boutique. Ah, c'est la bêta aussi. Hein. Faut pas non plus. Faut pas non plus. Voilà. Bon, en temps normal, là, il y a écrit boutique. Bon, là, il n'y a pas parce que c'est la bêta. Mais en gros, il y a écrit boutique. Et quand tu vas dessus, ben, tu peux drogue tes gamins contre l'argent du jeu. Un peu comme les RP sur LoL ou un peu comme les gemmes sur Brawlstar, tu troques les kamas contre des gemmes ou des RP pour payer un abonnement, donc c'est gratuit. Et tu peux aller encore plus loin, tu peux même acheter des skins, des packs de ressources, enfin bref, plein de trucs, rien qu'avec l'argent du jeu. En gros, plus tu joues dans le jeu et plus tu peux te faire limite de l'argent dans la vraie vie. En gros, bon, j'élargis un peu, mais c'est un peu l'idée. Le jeu est très simple, très connu et très vieux. Autofus, c'est un très très vieux jeu évidemment, qui existe depuis la nuit des temps, donc c'est des serveurs fiables, on peut leur faire confiance, c'est français. Et là, l'Autofus Unity, c'est tout nouveau. Voilà, ça vient juste de sortir, c'est tout frais, tout récent maintenant. Voilà. Donc là, c'est la bêta. Pourquoi jouer dans la bêta? Sachant que dans 3 mois, tout va être supprimé. Eh bien, pour débloquer ces fameux titres qui resteront après la bêta. Donc, je trouve ça super de faire ce petit clin d'œil pour les fans, hein. C'est vraiment incroyable. Et donc voilà, nous on va un peu tryhard pour vraiment choper ces titres, car c'est vrai que ces titres sont vraiment pas faciles à gagner et ça va demander beaucoup de puissance, je pense, et de tryhard et de temps pour tout rush. Bon là, je suis niveau 5, donc tu vois, ça va assez vite. Le niveau 200 est encore un peu loin, mais si vous voulez, je referai d'autres vidéos et même.
faire les métiers. Je vais être un peu perdu, il y en a probablement qui vont m'aider. Voilà, c'est vraiment un jeu très beau, très joli. Ça va être magnifique, ça va être super. Regardez-moi un peu ce décor idyllique. C'est vraiment superbe. Incroyable. Est-ce qu'on peut s'ajouter un ami? Attendez, je vais voir ça. Alors, pour ceux qui veulent venir avec moi, je suis dans le serveur monocompte de la bêta. Et voici, alors je suis ami avec Alten, comme tu peux le voir, on est déjà amis. Et moi, mon ami, mon compte. Bon, non, mon compte à moi, c'est ASMR Tom, hashtag 7346. Et je suis sur le serveur bêta monocompte, voilà, tout simplement. Donc, c'est avec plaisir que je jouerai avec vous, hein, comme Dofus, comme Brawl Star, etc. J'adore jouer avec ma commu, c'est gratuit. Avec moi. S'il y en a qui m'ont dit Tom, c'est payant de jouer avec toi. Non, non, tout le monde joue avec moi. Et si tu me carises, encore mieux. Donc voilà, j'espère que cette aventure va vous plaire sur Dofus. C'est un monde, dans un monde, tu peux avoir des métiers, tu peux avoir une femme, tu peux te marier, tu peux. C'est une vie dans une vie en fait. Voilà. Sauf que t'as pas d'impôts. Enfin, si t'as l'abonnement tous les mois, mais c'est tout. J'espère que cette idée va vous plaire. En tout cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner si tu veux suivre cette aventure. Marque-moi dans les commentaires si tu kiffes. Si tu kiffes, tu marques patate. Voilà. Bonne à tous et bonne détente. Qu'est-ce qu'il veut lui? T'as y a un mec qui me parle là. Hein. Qu'est-ce qu'il veut? Tu vas battre? Oui, parce qu'on peut aussi faire des défis. Je sais pas écrire. Putain, je sais pas écrire. Il va croire que je sais pas écrire. Hey. Lexat. Qu'est-ce qu'il y a, Lexat? C'est un autre joueur en ligne. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Tu veux te battre? C'est ça. Joindre. Oh, ah ouais, direct, on fait un donjon. Ah non, on défonce des gens. Voilà, donc là par exemple il y a un joueur qui a voulu que voilà on affronte ensemble des bestioles. Donc voilà, c'est parti. Je vais vous laisser et moi je vais défoncer des bestioles. C'est parti.